Alors, c'était la Dessalinienne ici au stade Silvio Cator. On l'a dit, le Violetta Athletic Club, leader du groupe Sud 1, accueille l'Aigle Noir. Match évidemment que le Violette va tenter de gagner pour prendre sa revanche et pour avoir été battu à l'aller au Parc La Paix par l'Aigle sur le score de 1-0. L'Aigle Noir qui est en deuil et après la disparition d'une de sa légende, en l'occurrence Rosemont-Pierre. Les funérailles de Rosemont ont eu lieu samedi dernier à la cathédrale de Port-au-Prince. Pour commenter cette rencontre entre le Violette Athletic Club et l'Aigle Noir, votre serviteur Guy Petitfrère et Jérôme Pierre, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir Daddy Jean-Charles, et bonsoir à tous auditeurs, téléspectateurs, radio, télévision Sol d'Haïti. C'est un plaisir Guy pour nous là au Stade Silvio Cator pour ce choc en deuxième division entre l'Aigle et le Vieux Tigre. Tout à fait, donc, Jean-Saut Fella n'a salué Zamino Daddy Jean-Charles, qui est rentré du Canada, qui l'a avec nous. Et Daddy, c'est un confrère, donc, qui travaille dans la presse haïtienne il y a quelques années. Qui a milité actuellement au Canada. Donc, Daddy, par jamais raté en aucun événement footballistique. C'est un qui est très attaché à pays, surtout à football national. Daddy, bonsoir. Nous saluons Guy Petit Frère, nous saluons les amis Pam, frère pas moi, et nous saluons. Et bien nous comptons nous là, et nous connaissons les rendez-vous, ça, nous pas karaté, malgré nous connaissons c'était une circonstance et douloureuse qui te permet de venir par boy ici. Et bien pendant ce temps. Funérailles de Rosemont-Pierre. C'est ça, Rosemont-Pierre. Et pendant ce temps, nous profiter et après enjoy nous avec le football là, parce que c'est là de nous fêtes, et là de nous grandir, et là de nous mourir. Ça fait que même son plaisir pour moi, ça avec nous. Et c'est de Pierre Jérôme, frère pas moi, qui l'a avec tout. Et c'est un plaisir pour moi avec nous, par boy ici. Alors Jérôme, le Violette Athletic Club caracole en tête, équipe le Violette Athletic Club là en première position avec 30 points, 9 victoires, 3 nuls, une défaite. Et seule défaite là c'était faite à l'Aigle Noir, donc aujourd'hui il y a la revanche dans l'air. Alors ça qui est étonnant c'est que même situation ça, Violette est retrouvée l'année dernière, tu as bien marché dans la série aller et retour et dans le stade playoffs, eh bien Violette pral et baissé pavillon. Violette nous sommes qui étaient éliminés l'année dernière et qui pas monté dans la première division. Anessa, et non seulement staff technique là, mais également joueur, ils prennent en pile, vraiment en pile mesure. Par le fait que le même objectif là, c'est monter en première division. Le Violette Club centenaire, récemment Violette 18 mai 1918. Oui, fêté 100e anniversaire Ligue. Donc Violette qui voulait à tout prix pour lui retrouver l'élite du football national. Alors nous t'ai parlé de situation Violette et Violette qui en tête classement avec 30 points, 9 victoires, 3 nuls et une défaite. L'Aigle Noir lui actuellement 4e. L'Aigle Noir fait 6 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Donc pour comprendre, c'est une chose tu l'as pris dans le groupe début, c'est l'Aigle Noir seulement qui battent Violette. Oui. Donc, ça rappelle nous, et les bons moments du football haïtien. Violette Athletic Club Aigle Noir dans le stade à Silvio Cator. Oui, ça rappelle nous bon moment. Fanta remonter le temps pour nous avoir en Violette qui gagne Philippe Vob, en Aigle Noir qui gagne Ducoste. Quand du conseil Nec Bel Air. Et si nous prenons époque 90 là pour nous jeune Rosemont-Pierre. Et malheureusement de côté mémoire, malheureusement, et Rosemont-Pierre qui quittait nous de façon brutale. Et monsieur quittait nous. Et voilà, c'est parti au stade Silvio Cator sous la direction de l'arbitre central Luc Emmanuel. Ballon dans le camp du Violette, capté par le portier Steve Sanon. Steve Sanon joue très bien à gauche. Et le pressing des joueurs de l'Aigle. Steve Sanon calmement combine à gauche en direction de Rolgui Louis et finalement le ballon est allé en touche. Ce sera une touche pour l'Aigle Noir. Oui, l'Aigle Noir qui a joué avec couleur traditionnelle vert et noir, Violette lui-même en bleu et blanc, couleur traditionnelle Violette Athletic Club qui ambitionne de retourner parmi l'élite du football national. Eh bien, et les supporters du Violette, dirigeants estimés, c'est comme une éternité. Donc c'est quelques saisons en deuxième division, Jérôme Pierre. C'est comme si son l'enfer, et c'est une grosse sanction que ont infligée à Violette, par le fait que Violette Athletic Club, le doyen les clubs haïtiens eh bien, retrouvés pour le moment en deuxième division. Attention à cette attaque de l'aigle. Ballon récupéré par la défense du Violette. C'est Reynaldo Lambert. Parima Rodriguez trouve Steven Saba joue dans l'axe du terrain. Et très bonne combinaison des bleus et blancs. Non, la passe étant imprécise, ça va être une touche pour la formation de l'Aigle Noir. Vous sentez qui ambiance qui gagne dans la tribune, dans le stade de Silvio Cator. Et attaque de l'Aigle Noir. Attention, très bonne couverture du défenseur du Violette. Petite bousculade sous les yeux de l'arbitre. C'est un coup franc pour le vieux Tigre. Quand nous dit que Guise et Silibo qui sortit depuis Jalousie Pétionville, qui a créé animation là à l'occasion de match violette contre l'Aigle Noir. Oui, c'est un choc. Oui, c'est un choc. En ouverture de la quatrième journée. Justement. Coup franc pour le vieux Tigre. Attention. Et la combinaison, Jeff Narcisse, Jeff, la passe de Jeff, et les hommes du Violette ont perdu le ballon. Ballon récupéré par l'Aigle Noir. L'équipe de l'Aigle élabore à partir de sa défense. C'est Paul Junior, passe latérale de Paul Junior, bon dribble de conservation, intervention de Parima Rodriguez, vénézuélien, naturalisé haïtien. D'ailleurs, lui a participé récemment dans les Jeux de Barranquilla avec la sélection U23 et haïtienne. Donc Parima qui a ambition pour jouer également pour l'équipe senior là. Justement parce que depuis qu'on peut voter pour la sélection nationale A dans le pays où, et bien on est capable de jouer pour n'importe quel pays. En parlant de sélection senior, la sélection senior a gagné pour y jouer le 13 octobre contre Sainte-Lucie. C'est dans le cadre deuxième journée Ligue des Nations de la CONCACAF. Sélection qui était laminée, pulvérisée, l'équipe de Saint-Martin, score sans appel. Ou songez qualité racle ça qui peut y faire. Alors et merci pour cette précision. Alors et confrère nous Dadi Jean-Charles qui dit donc que le match à l'aboué est plutôt le 16, c'est en Martinique au lieu de Sainte-Lucie. Ouais. Donc le terrain de Sainte-Lucie étant indisponible puisque Sainte-Lucie donc il y a un sport qui est très prisé dans le pays ça c'est cricket. Ouais. Après un match de cricket le 13 donc ils sont obligés de déplacer le match qui va jouer et en Martinique. Attention le coup d'aller go. Oh my God. Goal! 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 Ouverture du score du Violette Athletic Club. Coup de tête imparable. Le portier étant battu. C'est Peterson Joseph qui vient d'ouvrir le score. L'inévitable Peterson Joseph. Oui, 1-0 pour le Violette. Alors, il faut nous préciser qui c'est Peterson Joseph qui t'a fait un doublé dans le match nul 2-2 contre le club sportif Saint-Louis qui t'a fait 2-2 à Violette dans la troisième journée de série retournant. Et c'est monsieur qui a fait 2 goals. Au parc de Pétionville. Alors, c'est monsieur qui manquait là. Pour le club sportif Saint-Louis, puisque à les Violette est battu là dans le stade de Canon. Justement. C'est ça, entre-temps, qui petit frère, équipe Violette, Athletic Club, mené par Yogon à 0, l'inévitable, l'avant-centre du Violette, Peterson Junior Joseph, qui a marqué pour le vieux Tigre, ballon perdu, Aigle Noir qui ballon, le double de conservation, attention à ce centre, mais pas de personne qui bouge le ballon, son ballon qui parle sauter, et ce sera une remise en jeu pour le Violette Athletic Club. C'est un goal précoce du Violette Athletic Club. Donc, en termes de match, idéal pour les hommes de Itala et Ronnie Altini. Oui, Aigle Noir qui cueille à froid. Après ouverture score très tôt ça de Peterson Joseph. Ballon pour le portier du Violette, Steve Sano qui balance au coup de tête en dedans. La déviation est pas faite. Attention, problème. Il y a hors-jeu, estime l'arbitre assistant. Alors, faut nous dire que Guy Petit Frère, c'est un match cap dirigé par Luc Emmanuel. Et il est à but central, il est assisté de Nixon et Fénelon. Et l'autre arbitre assistant, il répond au nom de Lochard et merci. Donc voilà, et trio ça cap dirigé match entre Violette et Aigle Noir. Et commissaire là, c'est Jean-France qui commissaire au terrain pour un rencontre entre le Violette et l'Aigle Noir. au stade Silvio Cator. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti à l'heure de la 4e journée du championnat national de 2e division. Donc, ou même qui pas capable de faire déplacement, et bien on soutient écran. Ballon donc pour le Violent Athletic Club. La passe en retrait pour le numéro 5, Emerson, et qui fait passe là. Ballon pour goalkeeper Steve Sano. Dégagement raté. Danger là. Possibilité mais non. Bien joué dans la défense là. Bien joué Jean-Gary Adrien. Jean-Gary Adrien, premier mot sous début match violette contre les Deux Noirs. Bonsoir Jérôme, bonsoir Guy, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Donc rapidement, on dit que son match dès l'entame qui est très rythmé. Violette montrait intention. Donc maintenant, il va falloir que l'Aigle Nord lui-même lui réponde. Il n'y a pas eu de round d'observation. Pas de round d'observation. Et ce, au niveau de la radio de la télévision nationale d'Haïti, nous dit Guy Petit Frère, depuis quelques temps au niveau du football, Jérôme, c'est comme en basketball, depuis Boula Lagué. Donc tout le monde dégage, fait son affaire. Donc c'est ce qui s'est produit tout à l'heure avec le Violette. Un but précoce, comme l'aurait dit probablement Guy Petit Frère. Allez Jérôme, on continue. Gary, ça me compte, Gary. Quand il y a le foot, il y a quand même ici la vie. Donc ceux qui sont c'est le sport quand même. Donc le sport c'est intéressant, c'est un vecteur de développement à travers tout, dans tous les pays du monde. Donc c'est important que nous-mêmes pour nous capables allier nous avec ça, pour nous capables avancer ce soir dans le pays d'Haïti. Justement Gary, et donc entre-temps son ballon qui balançait, réception manquée, la talonnade, bien joué, ballon en mi-temps terrain, contrôlé par le numéro 4 de l'Aigle Noir, on passe en retrait. Oui, ballon non, ballon perdu, c'est Violent qui gagne, Vieux Tigre a attaqué, on passe à profondeur, attention, la couverture est assurée par Henri Joël qui a mis le ballon en touche, touche donc pour le Vieux Tigre, attention, c'est le club qui gagne plus temps dans le football haïtien, c'est... Et c'est une raison qui est surnommé le doyen du football haïtien. Donc, club centenaire. Oui, puisque Violette l'y fondée le 18 mai 1918. Donc 18 mai 1918, 18 mai 2018, ça fait Violette 100 ans. Alors ce que, eh bien, Dauphélie, Racine Club haïtien, nous connaissons club ça. Très bientôt, le Racine Club haïtien a centenaire tout. Oui, parce que Racine fondée 23 mars 1923. Entre-temps, ballon donc pour Violette Athletic Club, mais non l'habit central, et Luc Emmanuel, il arrête le jeu pour octroyer un coup franc au profit de l'équipe de l'Aigle Noir du Bel Air. L'Aigle Noir n'a pas qui c'est seule équipe pour le moment qui était arrivée battre Violette, puisque Violette était sous 9 victoires, 3 nuls et une défaite. Entre-temps, Violette qui était sous match nul dans le 3e journée contre Club Sportif de Saint-Louis. Attention, on passe à qui contrer. Deuxième balle pour l'Aigle Noir. Attention, on perd de balle au niveau de la défense de l'Aigle Noir. Oui, attention, ça peut faire mal. Regardez, il va faire cette mais non, il a atteint horrible, il va réussir. Ballon récupéré par l'équipe de l'Aigle Noir. KPC sorti, balle au pied, appel de balle en fait à gauche. Il ouvre la gauche, attention Aigle Noir, la passe dans l'axe. Oui, le jeune homme, le contrôle, le tentative de dribble. Bien joué tout, bien joué dans la défense là, bien joué. Et son ballon finalement sorti en touche. Un bon marquage réussi par le défenseur du Violent Athletic Club qui vraiment est stoppé attaque ça de l'Aigle Noir. Emerson Georges, c'est une attaque qui t'a mené par le numéro 8 de l'Aigle Noir. Je vais parler de Joubens et Linazer. Attention, ballon pape sorti, Violette Gaël, protection maximale du ballon et c'est une touche Roberto pour Louima. Le Violent Athletic Club. Roberto Louima et Baggio, son nom complet. Attention, c'est un ancien au sein de l'équipe du Violette. Roberto Baggio Lima, ballon perdu, et c'est Nazaire. En parlant d'ancienneté, le plus ancien du Violette, c'est bien Jeff Narcisse. Oui, oui, ça fait déjà quelques temps, Jeff Narcisse a porté couleur. Pourquoi M. Patagé de souffrir et Nixon Coriolan, Watson Coriolan? Oui, oui. Oui, M. était là depuis l'époque ça. Entre-temps, donc, les balles de Nixon et Watson Coriolan, deux frères Sayo qui déportaient les couleurs du Violent Athletic Club. Attention, et tout Wedner Dorsey, et plus connu sous le nom de Pelé. Le plus brillant des Coriolans, c'est Watson. Watson. Excellent milieu de terrain. Oui. Frêle, mais quelle combativité, quelle technique. Le terrain est monsieur Zocoriolan. Entre-temps, ballon pour l'Aigle Noir. Il peut frapper, il fait un dribble bien joué, il contrôle, mais non, finalement, compliqué Fiel. là parce que Aigle a toujours gagné. Attention, il a roulé, le double de attention bien joué. Non. Monsieur tellement. Attaque du Violet Athletic Club. Attention, Violet avec Roberto Luima. Mais parce qu'il a contré. Ballon contrôlé de la poitrine par le numéro 2, Paul Junior. Attention, ballon contrôlé par le Violet Athletic Club. Le double de conservation, il remet sur son portier. Steve Sanon écarte à gauche. La réception de l'intérieur du bureau de Lambert. Attention, passe en retrait pour Maxime Arima. Il fait en retrait donc pour son dos à 6. Quelle circulation du ballon. Oui, le remplacement de jeu. Mais dommage. Dernière passe n'a pas marché. L'Aigle Noir n'a pas assisté là à un bon match football entre l'Aigle Noir et le Violet Athletic Club. Si vous nous rejoignez, je vous le rappelle, le Violet Athletic Club mène par 1-0 grâce à l'inévitable Peterson Junior Joseph. La passe en profondeur. Le grand Peterson ne jette là. Ouais. Le grand Peterson des Rivières. Peterson Joseph. Ancien capitaine de l'équipe U17 oui, qui a participé à la Coupe du Monde 2007 en Corée du Sud. C'était goalkeeper et aussi ce goalkeeper c'était le Peterson qui était allé dans les Jeux Olympiques à Los Angeles en 2008 qui était goalkeeper. Attention à cette époque nous sommes tapés dans l'Aigle Noir. Nous changez ça. Attention ballon donc. Ils ne font pas ça avec un Violet Athletic Club. Oui, ballon donc pour l'équipe du Violette. Son ballon se tient en touche. Qui petit frère, le Violette mène tambour battant au score par 1-0 contre l'équipe de l'Aigle Noir. Oui, le Violette mène 1-0, un but inscrit et dans les premières minutes de la rencontre. L'Aigle Noir en difficulté ici au stade Silvio Cador. L'équipe de l'Aigle va repartir à l'offensive. Ballon contrôlé par Gaspard Exilien, le capitaine de l'Aigle. Il a eu à passer au milieu de deux voies du Violet. Intervention propre de Steven Saba. Steven Saba chargé de côté. Quelle ouverture en direction de Roberto Luima. Roberto Luima en train de fixer, de provoquer son vis-à-vis. Roberto Luima, va-t-il pouvoir passer? Roberto Luima, non, il n'arrive pas à passer. Ballon dégagé. L'arbitre Luc Emmanuel arrête la rencontre, sanctionnant l'intervention irrégulière du dossard 10 du Violet Athletic Club. C'est un coup franc pour l'Aigle Noir. Ballon au niveau de la défense de l'Aigle. Attention, et le défenseur de l'Aigle va jouer sur son capitaine Exilien et Gaspard Exilien. Et petite patte à gauche de Gaspard Exilien en direction de Henri Howell. Le ballon revient sur Henri Howell. Arrière central, Henri Howell. Passe latérale de Henri Howell. Et les hommes du Violet bien en place. Ballon repoussé par la défense du Vieux Tigre. L'équipe de l'Aigle Noir rapidement reprend le contrôle et du ballon. Et intervention du portier Emmanuel Chéry. Emmanuel Chéry joue très bien à droite en direction de Paul Junior. Paul Junior, la passe de Paul Junior. Et la longue passe, attention à cette ouverture, le ballon ne va pas sortir, très bon contrôle, les joueurs du Violet sont en train de se replacer et quelle déviation, l'équipe de l'Aigle en train d'élaborer dans la défense du Violet Athletic Club, on attend le centre va venir, il y a faute. Il y a faute commise par Roberto Luima, c'est un coup franc pour l'Aigle Noir, coup franc excentré sur le ballon pour tirer ce coup franc le dos à 10 de l'Aigle. Attention à ce coup franc, c'est Jean-Dany. Jean-Dany doit attendre le signal de l'arbitre central Luc Emmanuel. Le signal est donné. Attention, ballon sous la surface, le coup de tête. Dégagement de la défense du Violet Athletic Club. Rapidement, l'Aigle Noir reprend le contrôle et du ballon. La fête. Attention, c'était Martin Daniel. L'équipe de l'Aigle Noir, depuis quelques minutes, prend le contrôle du jeu. Le Violet va récupérer par le touchement de Roberto Luima. Peterson Joseph battu dans la conquête du ballon. Intervention de Parima Rodriguez. Le ballon revient dans la défense du Violet. Et attention, finalement, le ballon est sorti. La remise en jeu va être assurée par le dernier rempart du Violet Athletic Club. En l'occurrence, Steve Sanon. Steve Sanon joue très bien à droite. Oui, c'est ce qu'il fait. Le défenseur central du Violet remonte le terrain. Il s'agit de Renato Lambert. Ballon dans l'axe du terrain. Appel du buteur Peterson Joseph. Non, la mauvaise passe de Peterson qui a perdu négligemment le ballon. L'équipe de l'Aigle Noir et combine le retour de Roberto Luima. Ballon perdu. Roberto Luima met son équipe en danger. Et attention! Très bonne intervention de Steve Sanon, le portier du Violet. La remise vers et Saba, Steven Saba, la longue passe de Steven Saba et la mauvaise passe de Steven Peterson et évite son vis-à-vis. Ballon et dans le camp de l'Aigle. Bien joué Roberto Luima. Roberto Luima, quel sombrero de Roberto Luima. Joueur habile techniquement, oui très doué, quel dribble de Roberto Luima, la passe en profondeur, bien lu par le défenseur de l'Aigle, l'équipe de l'Aigle Noire et perd le ballon, intervention de Steven Saba, Peterson Joseph, Steven Saba qui tire lourd, finalement il préfère faire décalage là, le centre, ballon récupéré par la défense de l'Aigle Noire, est-ce que le ballon a sorti? Non, le ballon ne sort pas, l'Aigle en train d'élaborer et dans sa moitié de terrain. Attention, le défenseur de l'Aigle, c'est bien Henri Joël, très frêle, et quelle ouverture de Henri Joël, la défense du Violet se replace, attention, le tacle, finalement, la défense du Violet parvient à dégager l'équipe du Violet Athletic Club à la récupération, et là, et quelques approximations et dans le jeu, Paris Rodriguez à la poursuite du porteur de la balle, c'est bien Exilien, le capitaine de l'Aigle Noir, la passe de Exilien, oh non, le ballon est allé en touche, c'est une touche pour le vieux Tigre, à rappeler qu'il mène 1-0, oui. But inscrit dès la première minute de jeu par l'avant-centre à maison, Peterson Joseph. Oui, Peterson Joseph, et qui a marqué pour le Violet Athletic Club, et en bleu et blanc sur votre petit écran contre l'Aigle Noir, en vert et noir, c'est-à-dire tous les deux équipes ont joué avec couleur traditionnelle, entre ce ballon qui est contré, le contrôle de la poitrine, il y a jeu de main, estime l'arbitre central qui arrête le jeu pour octroyer un coup franc au profit de l'équipe du Violet Athletic Club. Vous êtes, madame, monsieur, en direct sur la télévision Jean d'Haïti au stade Silvio 14 pour cette rencontre entre l'Aigle et le Vieux Tigre. Attention, ballon pour le Violet, la déviation instantanée, le contrôle, Violet a attaqué là, à partir de l'aile droite là, conservation du ballon, la passe en retrait, on joue dans l'axe du terrain, par Parma Rodriguez à gauche, le contrôle, attention, tentative de passe, et donc son ballon qui, Emerson Georges, qui occupe le couloir gauche du Violet Athletic Club. Emerson Georges, nous connaissons son nom, qui sortit du Brésil, Emerson. Alors Jérôme Pierre, et nous allons demander et confrénons et Daddy Jean-Charles qui oui. Impressionné de première mi-temps, ça, une première mi-temps pour nous-mêmes jusqu'à présent, assez potable. De bonnes factures. Et oui, c'est ça, et Fondou que malgré Violet a mené un 0, ouais, équipe Aigle Noir, elle n'a pas joué mal. Monsieur, les pour sauter, sauter, les pour faire longue balle, ils font longue balle. Par exemple, nous, le capitaine d'équipe là, moi qui bien positionné dans l'axe et terrain, équipe. Et non, c'est ça, monsieur, vraiment, monsieur, sont bons meneurs de jeu et surtout, monsieur, à couvrir et mi-temps terrain. C'est ça qui est petit péché, aider l'équipe Aigle Noir. Mais jusqu'à présent, monsieur, pas joué mal. Malgré Violet, Violet a essayé de faire des brèches pour le s'il était capable de jouer un espace pour marquer le deuxième goal là. L'équipe avec Aigle Noir, elle n'a pas mal jusqu'à présent. Alors, il y a un gros problème avec Aigle Noir là. La roulette de Roberto Luima, ouais. Qui est en train là de départer le public présent ici au Stade Silvio 14. Geste rare dans le football haïtien, surtout. Attention, possibilité de deuxième but pour le Violet Athletic Club. Danger pour l'Aigle Noir. Le centre, ça contrait. C'est de corner pour le Vieux Tigre. Oui, j'allais dire que Guy Petit Frère et Daddy Jean-Charles, l'Aigle Noir, c'est vrai que la passe ballon, mais il a pêché dans la dernière gestion. Ouais. Et manque de coordination dans la ligne d'attaque. Là, on sentit que chaque fois arrivé dans la zone 20-25 mètres, eh bien, dernière passe sur pas jamais réussi. Pour vraiment illustrer cela, Jérôme Pierre, il faut qu'on jamais véritablement inquiété portier Violet Athletic Club, là, Steve Sanon. C'est ça. Entre-temps, cette corner pour le Violet Athletic Club qui mène par un but à 0, madame, monsieur, pour le compte de la 4e journée de la série retour du championnat national de première division. Attention, faut que surveiller là au coup de tête de Peterson Junior. Bon but, attention, qu'on est soulevé, ballon dégagé, la réception du numéro 10, Robert, et je vais parler justement de Jean-Dany, ballon perdu, et c'est pas Lyon touche, non, le ballon ne sort pas, finalement, l'arbitre assistant a signalé une remise en touche pour l'équipe de l'Aigle Noir, donc touche pour, non, c'est contre l'Aigle Noir, touche pour Violette Athletic Club, Violette 1, l'Aigle Noir 0, 4e journée du championnat national de 2e division. Entre temps, ballon pour le Violette Athletic Club. On tacle qui mettait ballon nouvelle fois en touche. Entre temps, et touche donc et pour faut nous signaler, faut nous saluer Guy Petit Frère, on monsieur, on grand homme qu'on t'attache et qui fait n'apprendre qui fait trop. Donc nous connaissons un bail qui. Non, bon, tout pensez nous aller vers lui-même. Ouais. Donc, c'est un monsieur très fouté, donc, qui gravit tout échelon dans Violette Athletic Club et qui même arrivé président club là. Ouais. Donc, c'est un grand monsieur du football. Donc, nous souhaitons lui un point rétablissement. Oui, justement. Entre temps, rencontre là qui font petit campé, madame, monsieur, entre Violette et l'équipe de l'Aigle Noir. Match content pour au sol à ce qu'il paraît c'est Parima. Non, c'est plutôt Steven Saba. Steven Saba justement qui est touché. Et en espérant que ça pas plus grave que ça. Steven Saba qui était honoré première sélection, c'était contre l'Argentine et dans Bombonera, mais depuis sélectionné national à Marco Laparelli. 4-0. Et oui, Parelli est en équipe nationale. Donc on verra et pour la suite, est-ce que Steven a fait retourner dans la sélection nationale là. C'est ça. On l'a dit tantôt, sélection nationale là 4 gains pour jouer et très bientôt c'est pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre Sainte-Lucie. C'est Martinique match à jouer et précision de notre confrère d'Adi Jean-Charles, c'est le 16 octobre prochain. Ouais. Le match qui était supposé jouer le 13, mais j'en t'ai précisé lundi Petit Frère à cause que, eh bien, sport que Mounsa a plus pratiqué et n'a pas eu cette musique, c'est cricket. Eh bien, yo mettez match pour 16 octobre cap privé là, Haïti contre Sainte-Lucie. Haïti qui était sorti sur un large succès contre l'équipe de Saint-Martin. Nous songez ça, côté que tu as gagné 5 goals de Duken Senazon dans l'âge score ça que Haïti t'a fait sur Saint-Martin. Et on rappelle ce qu'on a dit. Ah oui, nous sommes présents et dans le stade Silvio 14. Donc c'est dans la facilité qui par Haïtienne t'a gagné une très faible équipe de Saint-Martin. Il y a un coup de jeu pour le Violette Athletic Club qui perdu. Il y a un meilleur élément là. C'est bien Steven Saba qui a sorti là. C'est pas évident que Steven n'est pas capable de retourner sous terrain. Hein. Steven Saba touché très sérieusement. Oui. Le jeu momentanément arrêté là. Nous avons Rubens Pressimé, Digitala qui a baillé quelques instructions à Parima Rodriguez ainsi qu'à Jimmy Fede. Et voilà donc, Jouetta qui fait un campé ici au stade Silvio 14. Steven Saba a sorti. Robin Spécimé qui a fait les beaux jours du Violette Athletic Club. Oui, c'est une ancienne gloire club là. Et nous sommes une génération ça avec les gens Roland Atignave et Johnny Descoulines. Ouais. C'était un ballon pour l'Aigle Noir, contrôlé par le numéro 13, Richie, c'est Dieu, et qui fait passer la ballon qui est perdu. L'Aigle Noir après le perd du ballon, on dévia sur de la tête. Est-ce que c'est Violette Cap Guillaume le premier ballon de Bertrand Seïd. Oui, touché, attention, passe ratée, et c'est pas Lyon, ballon pour le Violette Athletic Club, la feinte, et c'est une touche pour le vieux Tigre. Peterson et Joseph, non, c'était pas Peterson. Ouais. Peterson qui n'a accident là, accompagné de Roberto Luma Baggio. Et donc c'est eux deux, c'est en sorte de 4-4-2, vu le cap jeu là, avec deux avant. Roberto Baggio Luma ensemble avec Peterson Joseph Junior. Attention, et du défenseur du Violet. Le retour de Emerson George. Pas faute, attention. Le retour de Emerson George qui arrivait, conjurer danger. Qui réparait erreur et défenseur Violette là. C'est une touche pour l'Aigle Noir sur le ballon. Et Joubens Eli Nazer. qui fait touche là. Attention, coup de tête en déviation. Ballon facile pour Steve Sano qui va relancer le jeu. La relance du pied droit, non. Relance pas trop bon. Et finalement, c'est Nazaire. Ballon contre Nazaire. Joubens Eli Nazaire. Et c'est une touche pour le Violette Athletic Club qui mène au score, madame, monsieur, ici au stade Silvio 14. Bueuse qui part, voilà. Et il y a faute sur le buteur. Peterson Joseph Junior. Petite bousculade dans le dos de Peterson. Et en bicentral, Luc Emmanuel octroie le plus normalement du monde un coup franc au profit de l'équipe du Violet. Mais il y a une sorte de mécontentement côté bande touche Violette là qui estimait des doigts un carton. Moi je pense ça tout parce que si on ne faut pas derrière que lui. Au moins je suppose qu'on carton jaune. En difficulté qui peut capable relever. Et il me songeait que si n'allait plus loin, c'est presque même situation ça qui fait que il me songeait et était un Colombien qui était sorti Neymar. Zuniga. Oui, et Wong Zuniga qui était sorti Neymar en Coupe du Monde côté que il était joué, il était ballon coup dans dol. Et c'était dans la Coupe du Monde 2014 là. Entre autant ballon à gauche, tentative de dribble, il ne parvient pas à traverser le joueur de l'Aigle Noir. C'est une touche pour l'équipe de l'Aigle Noir du Bel Air. En touche qui va le faire à partir de l'aile droite là. Et Poko Gemoun qui fait appel là. Il besoin de monde qui met démarqué. Mais non, là, beaucoup de tête de Eli Blaise, Eli Nazaire. Entre temps, ballon donc pour équipe Violette là. Pour le moment, bon joueur Violette qui est à terre. Emerson George. Ouais. C'est un coup de tête de Joubens Eli Nazaire. Et arbitre central n'a pas ça. Et assistant au tout pas ouais. Là, au senti, jouet là qui perdu dans la qualité. Oui, jouet là qui perdu dans la qualité depuis quelques minutes. Et donc, au senti, quelque part, côté de l'aigle surtout, il y a un peu d'énervement. Oui. Oui, surtout, et faute que tu fais sous Sabah qui sortit. C'est une faute brutale. Et tout à l'heure, nous sommes avec les genoux, jouer à l'ando et Peterson Joseph. Et cette fois-ci, nous, c'est beaucoup de monsieur qui prennent dans le visage, peut-être habitat pas réaction. Une réaction, ça peut-être c'est J.D. Potawel. Parce que là, habite là vraiment côté de placé, elle était bail d'eau. Il n'y a pas de genre de situation ça. Donc, Luc et Emmanuel doivent prendre responsabilité pour permettre à ce que le match soit capable de dérouler normalement. J'en ai commencé là. Donc, jusque-là, le Violette Athletic Club a bien géré la rencontre. Elle a mené 1-0. Mais à 1-0, le Violette n'est pas à l'abri. Oui, à n'importe quel moment, l'Aigle Noir est capable de retourner dans la rencontre. Rien n'est encore dit parce que. Surtout que son match qui paraît assez équilibré. Oui, qui est très équilibré parce que s'il est vrai que l'Aigle Noir n'est pas capable de jouer une brèche ou bien pour menacer. Et qui était Steve Sano. Qui était Steve Sano, mais l'Aigle Noir. Non, élaboration, pas ridicule. Justement, fond de jeu, hein, Lila, seulement M. Bejean mettait plus et coordination, surtout dans la ligne d'attaque, là, pourquoi pas. Eh bien, c'est le premier, c'est étonnant quand même, c'est un joueur Violette Athletic Club. C'est un joueur Violette Athletic Club qui avertit. Pour protestation. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Alors, l'Ipre 14, je dis peut-être que c'est lancé des mauvais propos à l'endroit de Luc Emmanuel et Orbi Central. Mais c'est ça qui est toujours événement dans le football. Écoutez, s'il y a des propos irrévérencieux, et certainement Habitat l'a sorti cartonné. Justement. Donc, probablement, c'est ça qui passe là. Donc, avertissement aux défenseurs du Violette Athletic Club, c'est bien le dossard de Renato Lambert. Oui. Alors, ça t'a dit tout à l'heure, Langui, lorsque Orbi Central a dirigé un match, au quitter des fautes à glisser ou pas siffler, carrément match a gâté dans mon et je pense que Farobi Central a commencé à ressaisir pour le siffler faute que le doit siffler pour que le match n'a pas dégénéré dans le là encore, c'est son faute non sanctionnée payée par l'arbitre. C'est pas sérieux. Vous pensez, si ça continue ainsi, le match est capable de dégénérer. C'est ça, parce que ça ne vient pas ce qu'on y a là. L'Aigle Noir a fait faute, Farobi Central n'a pas sanctionné. Qu'on y a des gens qui sortir confortable qu'on y a là. À l'aise pour faire faute et que Kounyala ou pas venir vont côté Kounyala match perdu dans mon. Oui, par exemple quoi faute ça et c'est devant arbitre là. C'est faute qui mérite un carton. C'est devant arbitre là, j'ai dit tout proche et tout proche, ça veut dire que c'est pas une action faite bien loin. C'est que si arbitre là pas gérer match là, donc le match a dégénéré a gâté dans arbitre là. Parce que j'entends dit tout à l'heure dans Jean-Charles, il y a des fautes que l'arbitre central là on pas demander pour louer. Mais Cependant, c'est peut-être qu'on a deux assistants. Oui. Parce qu'il y a des fautes où Papouel a consulté un assistant pour demander une explication sur tel type de faute qu'il commet. Pour qu'on puisse prendre une meilleure décision. Donc si ce n'est pas ça, on risque de match gâter dans le monde. Entre-temps, c'est pour la relance. Ballon pour le Violette Athletic Club. La passe à gauche. Contrôlé par Emerson Georges. Il décalé dans le couloir. Bien joué. Attention. Prochain coup. Mais ballon il y a obstruction. Non, étonnamment. La centrale n'a rien dit. Jusque-là, il laisse jouer. Ballon pour Violette. Dans le milieu terrain. Passe courte. Appel de balle. La passe dans le dos de la défense. Mais la sortie donc de Emmanuel Chéri, le portier de l'Aigle Noir, qui est écarte sur le flanc gauche vers Richie, c'est Dieu. Richie, c'est Dieu. Attention, le contrôle, la passe, déviation manquée. Ballon pour Violette. On dégagement. Et c'est une touche pour l'Aigle Noir. Violette 1, Aigle Noir 0, soit à peine au genou. C'est Peterson Joseph Junior qui a marqué pour le Violette Athletic Club. Match comptant pour la 4e journée de la série retour du championnat national de 2e division. Vous êtes en direct au stade Sylvio 14 sur la télévision nationale d'Haïti. Attention, ballon contré, ballon monté droite comme baleine. Au coup de tête, raté des deux côtés. Attention, tentative de passe, ça ne fonctionne pas. Il y a faute. Et finalement, on voit l'Aigle Noir qui prend l'averti. Alors, ça, c'est une vraie faute qui est vraie. Et... ouais, là, parce qu'on ballon qui maté comme ça, au moins qu'à voler pour fond tête, un volant pillé comme ça, c'est comme si son exprès. Parce que là, pied, M. Dingin doit péter Génègue là. C'est une rencontre qui part de mon bon esprit. Ouais. C'est dommage. Donc, qui peut bien commencé. Donc, il va falloir que l'arbitre prenne responsabilité. Ça, parce que si l'arbitre n'a pas pris responsabilité, le jeu l'a dégénéré. Parce que le football, la Ligue, on façon de jouer la donne. Si que ma baille coup, l'arbitre l'a quitté l'action, ça va passer. Ça veut dire que si l'autre équipe l'a répliqué, le match a gâté. Par exemple, tout à l'heure, a cassé Roberto Luma et joué à tout à Lavel. Action, ça nous écoute dans la télévision. L'arbitre n'a pas baille et adverse sa chance. Parce que automatiquement, on était la souffrance qui casse ou prenne avec mais on pas gagné. Attention, attention, oh là là, c'est pas fini, non là là, c'est pas fini, oh là là, le Violette était proche de doubler la mise. Dans un premier temps, la frappe de Roberto Baggio est allée sur la base du poteau. Il y a eu une deuxième occasion manquée in extremis et une troisième occasion. 3 tirs sous une seule action. L'Aigle Noir passe. L'Aigle Noir peut s'estimer heureux. Oui. Là, normalement, tu dois gagner un goal, deuxième goal pour le Violette Athletic Club. Et vraiment, l'Aigle Noir qui vraiment sentit était tout près là-dedans en 2-0, mais c'était pas le cas. Surtout avec le deuxième rebond, parce que nous, les ballons frappés là en bas, pour toi en bas, et les jeunes joueurs à tirer, mais heureusement, tu as un joueur Aigle Noir qui a venu. Et c'est lui-même qui contracte le ballon, et nous, le troisième rebond vient fait, et c'est eux-mêmes l'autre joueur Aigle Noir encore, ballon prend. Et cette fois-ci, ballon c'est prêt, le premier chez l'empied, parce que M. Rétatea, et ballon sauté pour la corner, mais l'autre joueur a évité le ballon à le corner, voulait l'en touche, et vraiment, Aigle Noir, il était passé tout près. Pour un deuxième goal. Un deuxième goal qui tape mettait Violette à l'abri. Oui, bon, donc ça n'a pas arrivé. Ça donc, arrive. Le Violette Athletic Club qui va continuer à peser sur l'accélérateur. Mais qui, d'où ça me dit là, est-ce que Robert Luma n'a pas empêché par le fait qu'il n'a pas choisi croiser Tirlan au lieu que l'aller dans le premier poteau? Bon, et à mon avis, il fait ça pour le TFA. Donc, ballon, il n'est juste pas entré, mais il fait ça pour le TFA. Mettez ballon dans le deuxième poteau. Est-ce que Action. C'est là qui sauvait. Est-ce que Action Mbaye n'est pas venu dans tête au guide? Milan Barcelone, oui. Côté que M. était à l'aise, c'est vrai que là, est-ce que là, Roberto était moins à l'aise. Oui, d'accord. Parce que alors face avec Niang, c'était 1-1 face à goalkeeper. Donc alors c'est pour nous remonter le temps, pour nous et vraiment souvent important. Oui. Donc nous songez que si Niang était manqué et Barcelone était capable d'éliminer, nous était capable parce qu'on ça va passer dans ce match. C'était tout un match. Oui. Cette action loupée par Niang à l'époque. Champions League. Entre temps, c'est Pragnon touche qui, ce qu'on n'a pas changé. Un pour Violette, 0 pour l'Aigle Noir. Ah oui, ballon dégagé par la défense de l'Aigle Noir. Il faut nous signaler que gagne un puits fin là, une puits fine qui s'abat sur le stade à Silvio 14, donc à mauvais temps, qui continue là. Donc certainement son match était capable de gagner plus de monde, mais pas grand affluence vrai. C'est en raison du mauvais temps, il y a un pile fanatique qui hésite à faire des placements. Donc nous comprenons que situation qui gagne là un peu partout et à travers Port-au-Prince. Donc circulation là, les embouteillages là, certainement la monstre. Attention, finalement Luc Emmanuel, l'arbitre central arrête la rencontre. C'est prêt à un coup franc pour la formation de l'Aigle Noir. En lieu et place à deux coups francs, c'est une touche pour les Verts. L'Aigle Noir qui en difficulté au stade de Silvio 14. Le défenseur de l'Aigle pour l'exécution de la touche, c'est Grégoire Duterson. Et le coup de tête, nouvelle touche pour l'Aigle Noir. Encore Grégoire Duterson pour la remise en jeu. Avertissement à Peterson Joseph. C'est deuxième joueur Violette Athletic Club qui avertit dans la rencontre là. Roberto, t'es averti tout. Donc, déjà 3 joueurs du Violette avertis. 3 joueurs du Violette Athletic Club avertis. C'est étonnant. Et c'est pas que joueur fait faute vraiment, c'est par le fait que il y a des propos qui sortis qui peut-être pas fait arbitre central en plaisir. Très bien, ballon dégagé par la défense du Violette, la frappe trop molle pour inquiéter Steve Sanon, le portier du Violette Athletic Club. Steve Sanon trouve à gauche Emerson George, la longue passe de Emerson George, ballon dégagé par la défense de l'Aigle Noir. Attention à cette remise, Emerson George au marquage de l'attaquant de l'Aigle, ballon soulevé dans la défense du Violette, le coup de tête, l'équipe de l'Aigle reprend le contrôle du ballon. Attention, ballon perdu, Peterson Joseph résiste, l'équipe du Violette toujours en possession du ballon. Là il y a faute, là joueur Violette a protesté avec virulence puisque estimé Tedoué gagne un carton, donc c'est inquiétant. Arbitrage là, c'est un arbitrage qui laissait à désirer, Jérôme Pierre. Oui. Donc, faut arbitre prendre responsabilité. Parce que trop erreur a fait. Là, tu es supposé qu'il y a un carton jaune là, clair. Et que l'arbitre central là, on tient Clément envers joueur Aigle Noir là. Et tout ça va remonter joueur Violetto. Et c'est sûr que j'allais même dire complaisant. Ouais. Parce que là, il y a des décisions là pour pouvoir prendre la Jean-Charles pour pas quitter le bas la gâter dans le monde. Et parce que l'arbitre central a une responsabilité pour assurer que ça va faire, il passe bien, pour ne pas gagner plein après. Parce que très souvent, Guy Petit Frère, dans le championnat national, il a toujours reproché à l'arbitre central par le fait qu'il a toujours fait des failles au niveau arbitrage. Attention, mais quelle intervention du défenseur de l'Aigle, Paul Junior. Ballon récupéré par la défense du Violette Athletic Club. Attaque du Vieux Tigre. Le tacle, le ballon va sortir. C'est une intervention d'un défenseur de l'Aigle Noir. C'est une touche pour le Violette Athletic Club. Rubens Pressimedi Itala en train de donner des instructions. À partir du banc, la touche effectuée rapidement. Mauvais contrôle du roi de l'Aigle. Le Violette dans la défense de l'Aigle. Et finalement, ballon dégagé par la défense de l'Aigle Noir. Le coup de tête, Parima Rodriguez, très bon milieu de terrain qui parvient à combiner à droite. Le Violette va repartir à l'offensive. La passe, ballon dégagé, récupéré par Parima Rodriguez, excellent milieu de terrain. Attention à ce débordement, il y a danger pour l'Aigle Noir, il y a faute. C'est un corner, pour le Violette Athletic Club. Corner pour le Vieux Tigre, a rappelé le Violette mène 1-0. Grâce à un but inscrit dès la première minute de jeu par l'inévitable Peterson Joseph. Attention à ce corner. L'arbitre va donner le signal. Le signal est donné. Ballon soulevé, mal fait. repoussé par la défense de l'Aigle Noir. Attention, le Violet s'empare de la balle et la frappe. Non, Bertrand Seyid, c'est à côté. Ce tir de Bertrand Seyid a rappelé Bertrand Seyid, a remplacé Steven Sabat, sorti sur blessure. Oui, oui, le numéro 77. Pénal pour sortir là, accélération à partir de la droite là, il peut centrer, c'est ce qu'il fait, tirage de la tête, ballon pour le Violet, la passe dans l'axe, allez ouvrir la gauche, bien joué, réception, il y a enjeu, c'est de Roberto Luma Baccio, l'avant central, l'un des avant centrales du Violet qui était signalé en position avancée, ballon donc pour l'Aigle Noir, on passe, ballon près jeune. Défense violette athlétique club là. Attention, c'est United Club. Un très bon match à part de anti-géo. Parce que ouais, tous les deux équipes ont essayé de construire. Violette besoin de marquer au deuxième goal et avec de Noir lui-même. Avec de Noir besoin, ouais, c'est la égaliser. Seul petit problème qui gagne, c'est une série de fautes qui fait qui part dans le match là. Et nous, à Violette, là, l'idée est deuxième goal là. Ouais. Mais l'équipe avec de Noir a essayé de résister. Moi-même seul, ça que j'ai besoin, c'est pour habiter là, après contrôle le match là, pour monsieur rouler ballon. Parce que son match a annoncé la couleur, il y a un match Violette Racine, il toujours un match Violette Racine. C'est pour l'équipe de dégager, mettre le ballon à terre, pour permettre que les gens qui fait déplacement sentent que l'air saute là, pour jouer une sac et devenir chercher. Entre temps, c'est un ballon pour l'Aigle Noir, mais non, c'est contre l'Aigle Noir, il y avait faute. Jouen 2 à 21, Henri Joël, il joue dans l'axe, la passe en retrait pour Henri Joël, la passe longue, mais dégagement au sein de la défense du Violette. Violette vraisemblablement pral rentrer au vestiaire du petit frère avec avantage là, 1 but à 0. Et c'est logique. Et ce score, donc, là. Violette paraît beaucoup plus menaçant. Et Violette est même capable d'esconder un deuxième goal. Il y a quelques minutes de cela. Donc, équipe d'Aguenois là, t'as gagné un peu de chance si on ne pas te concéder un deuxième goal. Donc, Violette, et jusque-là. Pour l'Aigle Noir, Jean-Dany sur le ballon. Il joue avec le numéro 10, de l'Aigle Noir, Jean-Dany, qui va botter le coup franc. Et on joue la dernière seconde. Attention, ballon mal dégagé. On l'autre dégagement qui mettait ballon en loin la caille. Et au moment où nous parlons du oui, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici au stade Silvio Cator. Le Violet mène à 1. Bertrand Seyid, le dégagement de Lambert, l'équipe de l'Aigle, le coup de tête, quelle intervention de Parima Rodriguez qui parvient à combiner en retrait à Steve Sanon sous les applaudissements du fan du Violet Athletic. C'est assez discutable. Oui, il y a enjeu. Assez discutable, ce enjeu sanctionné par l'arbitre. C'est assez discutable. Oui, parce que pas ça tellement fait vite. Monsieur pas quand même arrivé. Monsieur comme si monsieur dedans, ouais, je vais passer monsieur filer ballon dans le dos. Attention, putain, mais très bonne intervention de Emmanuel Chéri. Le mot train arrive à temps des deux côtés. Entre-temps, ballon pour l'Aigle Noir. Ballon en bas de face là. Aigle Noir à privé. Passe en dedans. Le contrôle. Bien joué. Le capitaine de l'Aigle. Et Gaspard. Le directeur de sport, Gary Adrien, fait appel à la VAR. La VAR ou le VAR. Jérôme Pierre, une telle action. Oui. Beaucoup de vitesse. Il faut faire référence au VAR. On l'a dit, c'est assez contestable. La décision de la ville. Très contestable. Il faut faire centrer. Oui, il prend l'Aigle Noir. Mais non, dégagement fait. Oh là là. Ballon pour l'Aigle Noir, passe en retrait. Attention, on joue dans l'axe de la défense. L'Aigle Noir sorti. Gardez appel qui fait par Jean-Dany. Yopokowel, la passe pour Richie. C'est Dieu a prouvé sous Jean-Dany. Non, il a fait son option Jean-Dany. Mais il faut qu'on soit capable de faire différence là en attaque. Si qu'on pas capable de faire différence en attaque, c'est faire belle jouette pour rien. Parce que là, oui, Aigle Noir n'a pas joué mal, mais dernier bagage là, on t'appelle. Parce que Mbakoun qui l'a, il faut chuter sur gardien. Pas songer. Rares sont les occasions de but de l'Aigle Noir dans cette rencontre. Attention, ballon pour Paris Rodriguez. Il perd le ballon. Ballon pour l'Aigle Noir qui perd Gilles. Violette descend. Appel de balle de Peterson. Peterson le buteur. Peterson, il conserve le ballon. Côte pour Kavine en soutien. Yo Cernel. Il fait pas ça quand même. Bien joué. Est-ce que c'est pas Roberto Lima? Oui. Attention, Roberto Lima. Le vieux revoltant. Oui. Roberto Lima. La passe en retrait. Yo prend le capoté là en retrait net. C'est ça en fait. La passe à gauche. Passe à pas bon. Oui. Me semble-t-il. Paris Rodriguez semble que. Il commence à fatiguer Guy parce que M. Braque des passes faciles. C'est deuxième mauvaise passe consécutive Paris Rodriguez. C'est signe de fatigue. Et souvent l'homme a des passes faciles comme ça. Il bat signe de fatigue. Donc peut-être. Il y a tellement de débauche d'énergie. Paris Mar, Jean-Dati t'a signalé tout à l'heure. Et alors, c'était hors micro. Il partout est toujours disponible. Ouais. Ouais. Et sur tout le terrain, hein, Paris Rodriguez. C'est le coup de transmission au sein de la défense, au sein du milieu de terrain du Violet Athletic Club. Entre-temps, donc, un ballon pour l'Aigle Noir. La passe en retrait pour Henri Joël. La passe, déviation pour Henri Joël. Henri Joël soit fait. Il passe semelle sous ballon. Il joue pour Emmanuel Chéri. La passe de Emmanuel Chéri. Ballon pour Jeff Narcisse. Le contrôle de la poitrine. Anticipation. Ballon pour le contrôle. Pas Henri Joël qui a prolongé le football qui perd. Mais non, il y joue, il fait ça plus simple. Il ne va pas arrêter le pour ça. Il est capable de faire un retrait tout, mais en retrait, il y a beaucoup plus de risques. Là, Dani, il choisit de mettre la touche. Souvent dit, il ne va pas arrêter le pour ça. Il joue simple, le plus malin du monde. Il met le ballon en touche. C'est une touche pour l'équipe du Violet Athletic Club. Jeff Narcisse, il prend son élan. La touche longue de Jeff Narcisse. Ballon repoussé, dégagement raté, ballon pour l'Aigle Noir. Attention, la passe donc de Pierre Lenz. Ballon perdu, ballon pour le Violette. Roberto Lima, passe de Peterson. Attention, le centre, ballon contré. Est-ce qu'il y a pénal? L'homme central n'a rien dit. Ballon contré, attaque de l'Aigle Noir. Ballon pour Pierre Lenz. Pierre Lenz a joué, bon dribble, mais non, perdu. Ballon pour Violette, la passe en retrait. Ballon à bouillon de terrain, ballon en retrait dans la défense là, yo joué là, et pour Walkie Pierre-Louis, il joue latéralement vers Jeff Narcisse, qui arrive à passer le centre, deuxième vol, oh là là! De peu, ça a été le deuxième but du Violet Athletic Club, mais le portier de l'Aigle Noir, Emmanuel Chéri, a bien réagi en repoussant la tentative de Peterson Joseph. De Pessoa était le deuxième but du Violet Athletic Club. C'est un corner pour le vieux Tigre qui mène toujours par un but à zéro grâce à une réalisation de Peterson Joseph Junior. Corner qui sera botté de la droite vers la gauche. Attention à ce corner. Personne pas joué. Violette qui est ballon. Attention. La passe, ballon perdu. Et l'Aigle. L'Aigle n'ont pas l'attaquer là. L'Aigle n'ont pas l'aller. On passe en longue. Attention. La poitrine du défenseur du Violette. La réception de la cuisse. Bertrand Seïd. Entrée en coup de jeu. Oui, entrée en coup de jeu. Steven Sabat, sorti sur blessure. Justement. Roberto Louima. Non. C'est une mauvaise passe. Le Violet Guy, mais pas un but à zéro. Attention, Bertrand Seïd. Quelle ouverture de Bertrand Seïd. Bien joué. Danger pour l'Aigle Noir. Le centre. Peterson Joseph. Le coup de tête. Oh non. Ballon capté en deux temps par le portier de l'Aigle Noir, Emmanuel Chéri. Attaque de l'Aigle Noir. L'Aigle en train d'élaborer déjà l'Aigle Noir dans le camp du Violet Athletic Club. Le centre, Jeff Narcisse convoite ce ballon. Le coup de tête du latéral du Violet. Attention à Kellen George. Oh là, Kellen George. Finalement, ballon perdu par Kellen George. L'équipe, l'arbitre arrête le match. Il y a un joueur de l'Aigle qui est resté dans la surface du Violet. Ouais, le 8, c'est Jimmy Fédé. Oui, le 8, c'était plutôt Jimmy Fédé. Il y a un joueur de l'Aigle à rester dans la surface du Violet Athletic Club. Le jeu momentanément interrompu. Le Violet Athletic Club se dirige vers une courte victoire face Alain Benoît est du même coup, Violette, qui, sur le point là, pour le prendre en revanche, puisqu'elle allait, les Guenois te battent Violette au Parc La Paix 1-0. Changement côté du Violette, le 214. Du Violette, qui gagne morphologie. Qui gagne morphologie Benchi. Benchi Estama. Et alors là, tu parles de Kevin Georges. Kevin Georges, un ancien du Don Bosco. Oui. Et le jeu va reprendre dans quelques secondes. L'Aigle Noir est sur le point de chuter face aux Violettes. Ils étaient deux à la portée de l'attaque du Don Bosco, c'est Benchi Estama et Kevin Georges. Violette qui renforce l'élite. Oui. L'objectif est clair. Oui, ça le retour parmi l'élite. Benchi, il n'est pas mauvais du tout. Attention à cette passe. Il faut préciser, c'est le nouveau venu du Violette. Oui. Et Kevin Georges. Ballon dans la défense de l'Aigle Noir. La passe. Le mauvais contrôle. Intervention de Bertrand Seyid. Bertrand Seyid gagne ce duel. Bertrand Seyid parvient à combiner. Bien fait de la part de Bertrand Seyid. Attention. Parima Rodriguez demande le ballon. Parima Rodriguez trouve Roberto Louima. Roberto Louima. Roberto Louima. Roberto Louima. Roberto Louima finalement joue en retrait sur Parima Rodriguez. Parima Rodriguez. Bertrand Seyid. Bertrand Seyid. Quelle ouverture de Bertrand Seyid. Danger pour la Guenois. Danger pour la Guenois. La passe. Et goal! Bon bagaille, bon bagaille, bon bagaille. Quel but de Roberto Louima. Oui. Après avoir mis dans le vent le défenseur. Bon bagaille, bon bagaille. Il a ajusté le portier. Bon bagaille, bon bagaille. Bon bagaille. 2-0 pour le Athletic Club. Le match est plié, Jérôme Pierre. Oui, oui. Il est splendide. Il est somptueux. Le but sublime, sublime, c'est un goal de tout attaquant classe mondiale, un goal de classe mondiale. Après que il s'est retiré sous lui, il a un dribble, adversaire direct lui, et puis il mettait frappe là sans réfléchir. Dandy, c'est du content. Ah non, 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 mais ça vraiment c'est incroyable. Et premièrement, ouais, j'aime que je ne passe là, et je suis effacé de face à Gabriel Soulier, et je ne suis pas hésité 11 secondes, et puis là, il y a deux pieds, il y a gagné le but à mon diable, il constate les dégâts. C'est un Roberto Louima plein de sang-froid, dans la lucarne, plein de sang-froid, un Roberto Louima plein de sang-froid, ouais, qui parvient à doubler la mise pour le Violette Athletic Club. Alors, monsieur, récompensé de performance de match-là. Ah, de ses efforts, puisque Roberto Louima tape un gros match, il fait des misères à la défense de l'Aigle. Donc, ce but, et on l'a dit, est venu récompenser les efforts du dossard 10 du vieux Tigre. Ballon à droite, attention, ballon pour Violette, Violette 2, et Aigle Noir 0, conjoint Aigle Noir qui est atteint, n'empêche que, Abissetka l'a quitté, Jouette l'a continué, ballon donc pour l'Aigle Noir, il a passé sauti, il y a beaucoup de chambouins, si il y a un joueur qui atteint, Abissetka l'a quitté la poulet, alors que conjoint qui atteint, à présent, Daddy Jean-Charles, Abissetka l'a capé Jouette là, pour lui permettre à jouer Aigle Noir, l'en prend soin, 2-0, le Violette qui vraiment, gagne maîtrise, suggère. Oui, bon, et Jérôme Pamdou que nous, à deuxième mi-temps, il changeait comparativement avec l'enfin et premier mi-temps. Nous, monsieur, vous voulez jouer Kounia. Et vous voulez jouer, et ouais, ballon à poulet. Et comme Guy Petit Prêté dit, Violette lui-même et attaque Lio plus tranchante parce que Violette toujours privée. L'attaque Violette est toujours finie. Oui, par exemple, ouais, deux fois là, Peterson Joseph manquait. Alors, le Violette tout va chercher la verticalité, ouais, alors que l'Aigle Noir a contenté lui à jouer en largeur. Oui, oui, c'est ça, monsieur, a brûlé ballon, fait belle passe, fait changement de jeu qui est très beau, c'est vrai. Mais ça, pour faire là, par exemple, l'on prend deux actions là, que Peterson Joseph pas fait voilà là. Vertical toujours plus dangereux que horizontal. Horizontal, c'est largeur. Alors que vertical, c'est droit au but, c'est ça. Mais c'est comme ça, c'est différent ça entre Aigle Noir avec Violette. Parce que toute action et Violette, très souvent, c'est gardien de but qui sauve Aigle Noir. Et comparativement avec action Aigle Noir, depuis arrivé dans la défense là, et bien, quand on finit, il va même guetter qu'arriver dans un moment pour inquiéter gardien de but Violette là. Alors le Violette est sur le point de s'imposer logiquement face à l'Aigle Noir du même coup, vieux Tiglac après revanche. Jusque-là, c'est un score mérité pour le Violette. Score juste, puisque Violette paraît beaucoup plus supérieure par rapport à l'équipe de l'Aigle Noir. Et en pile quitte dans le score. Oui, attention, ballon pour Ruti Sedieu, Lijouen Henry, Henri Joël, passe pour Pierre Lenz. Pierre Lenz des ballons, Pierre Lenz, il jouait en deux terrain, la passe en retrait. Et pour Paul Junior, faut-il avancer, Paul Junior joue en profondeur, passe imprécise, ballon pour le... Emerson Georges, ballon de terrain, Parima Rodriguez, Jeff Narcisse, il fait passer un jump, roulez, non, il va mettre frappe là, attention, oh là là, la balle du poteau, sauve Emmanuel Chéri, quelle action du latéral du Violette, quelle action de Jeff Narcisse, qui s'est joué de la défense de l'Aigle avant d'enchaîner du doigt. La base du poteau a sauvé Emmanuel Chéri. Le Violette était proche de corser l'addition. Sur ce, on peut dire que le beau jeu était proche de corser l'addition. Sur ce, on peut dire que le beau jeu est au rendez-vous. Ah oui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Match d'une bonne facture. Paul chef clé. Dis pour Paul. Il y a également nos collaborateurs qui sont présents au stade. Il y a Joël Novius et Pierre-Miguel Pierre-Gilles et Steven Dieudonné. Attention ballon donc pour le Violette, Jeff Narcisse, la passe en profondeur. Attention réception manquée. Attention. Le dangereux Roberto Luma Bacho qui fêtait là, l'y fixé, l'y pral centré, l'y tenté tir là. Dommage. Ballon contré légèrement au passage. Saké ralenti. Peterson Joseph qui pas arrivé reprendre ni. Oui. Justement. Ballon pour Pierre Lenz. En retrait pour Henri Joël, la passe pour Ruti Sedieu, la passe en retrait pour Henri Joël, il joue au poste de l'arrière central gauche, il joue en profondeur, coup de tête défensif de Emerson Georges, et c'est une balle qui sort en touche, la touche est au profit de l'Aigle, un autre changement. Un changement au sein de l'équipe de l'Aigle Noir, le numéro 12. Le numéro 12. Qu'on va pouvoir identifier pour vous, madame, monsieur. Ballon pour Sedieu. La passe pour Pierre Lenz. La passe en droite. Oui. Et ballon, la réception manquée. Ballon pour l'Aigle Noir à nouveau. Attention. Ballon au milieu du terrain. Ballon pour Pierre Lenz. Pierre Lenz gardé à gauche. L'aller pour Ruti. Ruti Sedieu. Ballon. Quatrième journée. Championnat national de deuxième division. Violette Aigle Noir. Est-ce que la pouvez conserver lui? Il y a faute. Estime l'ambi central. Luc Emmanuel, c'est lui qui dirige cette rencontre entre le Violette et l'Aigle du Bel Air. Et c'est Kouniaki. L'arbitre est correct en deuxième mi-temps. Oui. Monsieur reprend. La première mi-temps aura été catastrophique. Oui. Monsieur Wessel Zili en seconde période, donc Sakibanou, ils ont meilleure deuxième période avec beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de circulation de balles. Donc son match a un bon esprit. Justement, on sentit que c'est football qu'a joué, pas gagné anti-jeu, pas gagné des fautes stupides qu'a fait là. Donc nous sommes là, madame, monsieur. Moins de palabres. Oui, pas gagné temps mort ou moins, et bien moins temps mort ou dans deuxième mi-temps. C'est maintenant que dans deuxième mi-temps, ça, si monsieur Bonmont, en 2 minutes, 3 minutes, m'a dit rien. Mais dans la première mi-temps, au moins, il faut me donner mon 4 minutes pour Pipiti. Entre-temps, donc, rencontre la Fonti Campé, n'est-ce pas, Daddy Jean-Charles, Violette 2, Aigle Noir 0. Oui, c'est ça. Et Pierre-Jérôme, vous me dites qu'il y a une défaite qui n'est pas bon pour l'Aigle Noir, dans la mesure que nous connaissons l'Aigle Noir en 4e position. Et Exafoot, qui gagne même point avec Aigle Noir, a joué. Ça veut dire que Aigle Noir, défaite la prale, quitter la 21 points. En 40 victoires, l'équipe Exafoot, la prale, 24 points. Cap petit peu pour Aigle Noir en 5e position. Et nous connaissons en compétition, ça a fait. Il faut qu'on parmi 4 équipes pour jouer playoff. Ça veut dire qu'il y a une défaite. Qui équipe qui gagne 18 points là? Et bon, pas 18 points, par exemple. Oui, il y a 21, Carrefour gagne 16, PNA gagne 15. Mais Exafot qui gagne 21, même avec Guillaume, là pour se voir. Si le Calais gagne 24, la quitte avec le noir en bas. Et surtout, Roulado de la Gonap qui gagne 24, la club Saint-Louis qui gagne 25. Ça veut dire qu'il y a deux clubs, ça y a deux qui doivent détacher des legs là. Kevin Georges, tout à l'heure, on a fini d'Adijon Charles. Ballon capté par Emmanuel Chéri qui relance de la main. Oui, c'est ça. Et je crois que défaite ça. Et la coûté équipe avec le noir très cher. On a dirigé nous certainement vers la fin de la rencontre. Le Violette Athletic Club est en train de s'imposer logiquement face à l'Aigle Noir. Attention à cette attaque de l'Aigle. Et la très bonne couverture du défenseur du Violette Athletic Club. J'ai pour mon couverture Bouni Pierre Inch'Allah. À la Bouni. À la Bouni. La remise en jeu assurée par Sibsanon. Sibsanon trouve à gauche Renato Lambert, libre de tout marquage. Renato Lambert, petite passe sur Emerson Georges qui lui repasse le ballon. Renato Lambert. Renato Lambert n'est pas pressé. Renato Lambert, la longue passe de Renato Lambert. Et déviation de la tête. Le contrôle. Bonne combinaison. Et le décalage se fait à gauche. Bon tacle du défenseur de l'Aigle pour mettre le ballon en touche. Oui, le 202 et Paul Junior. Il y a un joueur de l'Aigle qui est resté au sol. Il y a un joueur de l'Aigle qui est resté au sol. Le Violette, vraisemblablement, va remporter les 3 points. Oh, écoutez, les dés sont jetés. On voit très mal. Et Kounia, Guy, et Kounia, d'accord, vous me dites, Zelle Aigle plombé. Et le jeu va reprendre. C'est une touche pour le vieux tigre. Emerson Georges pour la remise en jeu. La télévision nationale d'Haïti, à l'occasion de la 4e journée du championnat national, est en direct. 2e division, et dans le groupe Sud 1. Attention à cette ouverture. Le Violette en territoire de l'Aigle. Très bon contrôle. Et la combinaison, Bertrand Seyid préfère combiner en retrait sur Renato Lambert. Renato Lambert va passer le ballon à Parima Rodriguez. Parima Rodriguez. Guy, sous ça m'a regardé là, son Violette première division m'a regardé là. Ah non, il n'y a pas de doute. Ce Violette ressemble à une équipe de première division. Et c'est une raison fanatique Violette. Je souhaitais que rapidement Violette retrouve Elitan. Vrai place-li. Ouais. Et attention à ce contrôle. L'équipe de l'Aigle, la combine, intervention propre, côté du Violette, Peterson Joseph, le centre deuxième poteau, Bertrand Seyid, dégagement de la défense de l'Aigle, ballon convoité par Parima, non, il ne parvient pas à récupérer, c'est l'équipe de l'Aigle Noir qui combine au niveau de la défense, petite passe à droite, entre temps, les joueurs du Violette se replacent, attention, et ballon dans l'axe du terrain, l'équipe du Violette tient le match par le bon bout, le centre pour personne, le ballon va sortir, le Violette va rester leader du groupe Sud 1, le Violette va passer à 33 points, oui, le Violette est le solide leader du groupe Sud 1. Leader incontestable. Incontestable et incontesté. Ouais. Et Jeff Narcisse prépare jouer en retrait sur Renato Lambert. Contrôle orienté de Renato Lambert. Appel de Bertrand Seyid. Renato Lambert refuse l'option Bertrand Seyid. Il prépare jouer à gauche sur le virevoltant Roberto Louima. Roberto Louima. Non, ballon perdu par Roberto Louima. L'Aigle Noir repart rapidement à l'offensive. Attention à cette attaque de l'Aigle. La passe dans l'axe du terrain. Petite déviation. Les joueurs du Violette sont bien en place et là on combine à droite Emerson à la récupération pour le Violette Athletic Crème. Attention à cette passe. Maintenant, ballon récupéré par les verts et noirs. Jusque-là, les joueurs de l'Aigle n'abdiquent pas. Le ballon est sorti sur l'intervention de Emerson George, le latéral gauche du Violette Athletic Club. La touche effectuée très rapidement. L'Aigle noir en territoire du Violette Athletic Club. Deux joueurs du Violette à la poursuite du porteur de la balle. Le jeu recommence. Côté de l'Aigle noir, l'équipe de l'Aigle. Oui, le talon d'Achille de cette équipe, c'est au niveau de l'attaque. Attention à cette passe en profondeur. Le coup de tête vers Renato Lambert. Renato Lambert joue dans l'axe du terrain, contrôle de la cuisse de Bertrand Seïd. La passe de Bertrand Seïd. Attention. Non, la mauvaise passe. Ballon récupéré par la défense de l'Aigle noir. L'Aigle est en train de perdre au stade Silvio Cator face au Violette Athletic Club. L'Aigle au match aller s'était imposé 1-0. L'équipe du Violette s'empare de la balle. Parima Rodriguez, le ballon revient sur Parima Rodriguez, Emerson George, et à l'instant l'arbitre central Luc Emmanuel met un terme à la rencontre. Victoire logique du Violette Athletic Club sur le score de 2-0 face à l'Aigle noir. Du même coup, le Violette prend sa revanche. C'est Peterson Joseph qui a montré la voie au chien avant que Robert Louis-Man double la mise en seconde période pour le Violette Athletic Club. Chers amis, merci d'avoir été avec nous. Merci à notre confrère Dadi Yanchal qui était là. Et le téléjournal est à tout de suite sur la télévision nationale d'Haïti. Bonsoir, chers amis.